c'est Tom Brunet. Je vous accueille chez moi, ici à Romville-la-Place. Vraiment très belle piste pour la finale du championnat de France cadet, où je suis 6e actuellement au championnat. Ça va vraiment être super. J'adore cette piste. C'est mon club. Donc on va essayer de marquer de gros points. Donc rendez-vous demain sur la piste. Parce que moi je connais la piste bien sûr, c'est un peu gras ce matin et ça devrait se dégager et ça va être cool. Donc Pierre-Alexandre René, ancien pilote professionnel, donc aujourd'hui manager du team Rockstar Energy Husqvarna en rallye raid et en même temps coach un peu conseiller de mon petit beau-frère Tom Brunet. Voilà, là aujourd'hui on est au cadet au championnat de France Espoir à Roville-la-Place pour la dernière course du championnat avec une saison un peu plus courte que normalement. Ce matin, voilà, des chronos qui sont bien passés avec un troisième temps dans son groupe. Bon, on espère toujours que ce soit encore mieux, mais voilà, toujours des progrès depuis le début de la saison. Donc c'est encourageant, il travaille, il s'applique, il écoute et pour l'instant ça se passe pas trop mal. Donc cet après-midi on va voir les manches. Voilà, l'objectif, on espère un top 5, ce serait pas mal pour finir ce championnat. Et dans la foulée, peut-être un peu de course dans le championnat de France des sables. On va voir un peu comment va se faire cette saison de sable cet hiver. Et voilà, c'est l'objectif. Retombe après dans la manche. Tu vas à l'extérieur, l'autre il te coince. Fais attention, il est trop près de toi. Tu sors super bien de la grille, après tu mets pas ta vitesse à 50 mètres derrière la grille. Touche ta moto et tu risques la chute. Donc reprends un petit peu de vitesse dans le couloir pour suivre le couloir. Mais ne fais pas un virage serré sans vitesse et relancer après. C'est l'endroit où tu peux prendre le plus de vitesse possible. Donc tu vas à bloc et puis tu reviens au freinage à droite si tu veux. Alors cette manche? Bah, vitesse pas mal. Juste départ, je freine trop tôt, du coup les autres me touchent.
bras, jambes et tout. J'arrive à me faufiler. Après, premier tour, je touche un mec, je tombe. Donc je repars dernier, je remonte et je retombe. Puis après, je cravache, je remonte et je remonte 12, je crois. Voilà, bon, on va essayer de faire mieux pour la deuxième. Déjà, pas tomber et puis on voit que la vitesse est là, donc espérer faire dans le top 5. C'était vraiment un super week-end, malgré cette première manche, bien sûr. Deuxième manche, c'est beaucoup mieux passé pour moi, car j'ai beaucoup mieux roulé. J'ai fait 6e et au général, j'ai fini 8e. Meilleur pilote du club, ça c'est vraiment super. Je suis super fier de représenter ce club. Au championnat, je finis à la 7e place finale. Je remplis mon objectif qui était top 10 et je suis vraiment trop content. Je remercie tous mes sponsors, ma famille, Pierre-Alexandre, mon entraîneur et mon beau-frère. Et puis Bruno Lozito aussi, qu'on a travaillé ensemble depuis un mois maintenant et ça marche vraiment bien. Et je vous dis rendez-vous à l'année prochaine. Merci à tous.